que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête de mon copain. Puis ce matin, il est parti super tôt travailler. Il est parti à genre 5h, je pense, pile. Ou en tout cas, 5h10, 5h05 environ. Puis j'en ai profité pour me lever quand il partait et lui faire un gâteau. Écoutez, la fille était motivée, hein? Écoutez, je vais mériter ma bague un jour, j'espère. Puis regardez. Et ça, j'ai fait mon beau petit gâteau. J'attends qu'il refroidisse. Dans le fond, là, je vais même le démouler. C'est un gâteau que ma mère faisait quand j'étais jeune, qui est vraiment bon. Là, c'est Laura Socorbe. J'en ai parlé longtemps là, à mon chum, puis j'y ai jamais fait. Et ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble, puis je pense que j'y en parle à chaque année. Puis à chaque année, je suis comme, ah, on va se le faire un jour pour nos fêtes. Puis finalement, on se fait autre chose ou en tout cas. Je sais pas trop, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, j'ai décidé ce matin de le faire. À 5h30, j'étais les deux mains, dans mon gâteau. Dans mon gâteau, là, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai fait là, toute la vaisselle parce que là, il y en avait vraiment beaucoup. Là. C'est quand même un gâteau qui demande, qui demande deux bols, là, mettons, là, parce qu'il faut comme que tu fouettes tes blancs d'œufs en neige. Ben, c'est ça, là. Que tu fais tes blancs d'œufs en neige, puis que tu replies avec ta pâte, là. Fait que, tu sais, je veux pas, ça prend comme deux bols. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de vaisselle. Puis là, il est 5. Je suis presque toute prête. Je me suis pas habillée parce que je me suis toute tachée. Fait que là, je me suis dit, je vais rester en pyjama, tachée, puis pas salir mon linge que je vais aller travailler avec. Voilà. Et là, je vais faire le glaçage. Pour qu'il soit cute à son arrivée. Fait que quand il va arriver, le gâteau va être dans le frigo. Alors, ouais, je trouve que je suis pas mal une bonne blonde. Puis d'habitude, j'aime tellement ça, vous faire les accélérés, tu sais, de mes recettes pis tout. Mais là, écoutez, à 5h30, je me suis gardée une petite gêne. Ouais. Noir ce matin, Caroline. Il est 7h30 en fait. Puis, comme vous avez vu, j'ai tout terminé le gâteau. C'est juste que le crémage, j'ai eu un petit peu chaud parce que mon gâteau n'était pas tout à fait refroidi. Mais écoutez, on se débrouille avec les moyens du bord. De toute manière, c'est pas le gâteau qui est réputé pour être le plus cute. Là. Il est juste très délicieux. C'est ça sa force. Fait que je me dirige vers le boulot et on se reparle. Excusez, on va fermer Arcan. Tchin tchin! Je suis de retour à la maison après ma journée. On est vendredi, donc c'est le week-end qui commence. Puis la fête du babe. Ce soir, on va prendre ça comme relax soirée de gars. On va se faire des nachos puis des ribs, comme je vous ai montré dans mon épicerie hier. Puis on va commencer avec une petite bière qu'on avait achetée à la microbrasserie Menot à Charlevoix, à notre vacances de Charlevoix. Bonne fête! Merci! Tout le monde m'écrit pour te souhaiter bonne fête. Ah, ben là, c'est normal, gentil ça. Mm-hmm. Merci. Puis il y a hâte de goûter à mon beau gâteau. Ouais, ça va trop bon. Mm-hmm. J'ai quasiment envie d'en manger tout de suite. Mm-hmm. Un petit point. Non, pas du tout. Non, faut que je me contienne. Oh, ça fait tellement taste. Ça, c'est pour moi. C'est pas le micro. Et regardez-moi le festin! Oups, ça veut pas focusser. Avec les petits condiments à nachos, salsa. Crème sûre. Bière. On a acheté celle-là. La fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la première fois qu'on l'essayait.
Elle est très bonne. Puis là, écoutez, c'est du sérieux, mesdames et messieurs. Nous faisons un tournoi de air hockey. C'est ça le petit bruit. C'est moi qui mène. 3 à 1. Ouais, ouais, ouais. C'est mon vieux air hockey. Il est un peu jauni, là, mais il marche encore super bien. Que j'avais, genre, quand j'étais jeune, là. Ouais, avec un petit poster de Gallagher. Mais ouais, écoutez. Watch out! Je viens d'apporter le morceau de gâteau à mon chum avec ses petites bougies et tout, qui a fait son vœu d'anniversaire. Moi, je trouve ça tellement important de faire un vœu d'anniversaire le jour de notre fête. Je sais pas pour vous, là, mais on dirait, moi, je sais pas, j'y crois à ça. Je trouve ça important de souffler des bougies le jour de notre fête. C'est une petite tradition. Je sais pas trop la durée de ce vlog-ci. Comme vous avez vu, ben, on a pris ça bien relax, on a été dans le sous-sol, on a fait une petite game de air hockey, on s'est fait une petite soirée. Puis là, il est 9h et on s'en va écouter un petit film dans le lit avec du gâteau. On y avait déjà goûté, comme vous avez vu. On y a goûté juste avant le dîner. Ouais, écoutez, en 2020, là, on laisse aller sur certaines choses. Hein? Écoutez, il y a tellement de choses, il y a tellement de règles. Puis c'est tellement toute une année, fait qu'on se laisse aller sur certaines affaires. Et c'est ça, on a mangé. Oups, mon frigo s'est fermé. On a mangé du dessert avant dîner. Des rebelles. Donc c'est ça. Dans le fond, ouais, on va aller écouter un petit film de gars dans la chambre sur Netflix. Je sais pas c'est quoi mon chum a choisi. Mais je voulais mettre fin au vlog. Puis on se revoit demain. Ça va être sûrement un court vlog. Il me semble que j'ai pas tant vlogué. Peut-être que j'ai peut-être beaucoup vlogué. Je sais pas. Oh, j'ai oublié la cuillère à mon chat. La fourchette. Je sais pas pour vous, là. Mais nous, ici, moi, je mange mon dessert avec une cuillère. Puis mon chat avec une fourchette. Gros dilemme. On est toujours en train de s'estimer qui a le plus raison. On est drôle. Donc, on se revoit demain. Bye tout le monde!